Donc, dans cette vidéo, j'aimerais parler de l'éco-citoyenneté en matière d'achat et surtout le bien acheté, entre guillemets. Et des choses que je vais vous dire, mais que moi-même, forcément, je ne fais pas forcément. Donc, on dit toujours fait ce que je dis, mais on ne fait pas toujours ce qu'on dit. Mais enfin, voici ce dont nous devrions tous tendre afin d'être vertueux. Et quelques astuces. Premièrement, pour n'importe quel produit non alimentaire, de voir combien de temps vous en faites l'usage. Est-ce que ce produit vous a satisfait? Est-ce que vous le recommanderiez à quelqu'un? Est-ce qu'il répond à vos attentes? Est-ce que ce produit nettoie bien, etc., etc., etc. Donc toujours se fixer une marge concernant ça, donc se poser la question de est-ce que c'est un bon produit, est-ce qu'il a rempli pardon son cahier des charges, et est-ce que je vais le racheter. Si à la dernière question vous hésitez, bon, c'est qu'il faut changer de produit. Pensez toujours à vérifier vos réfrigérateurs concernant vos produits et de ne pas laisser courir la date de péremption. Mais moi qui suis malvoyante et qui ne sais plus lire, hélas, et ben avec ma petite copine la loupe qui est là, tiens, je vais vous la présenter. Eh bien, je fais donc le check-up de mon frigo une fois semaine pour voir ce dont j'ai besoin en matière de fromage, de produits laitiers ou de choses que je dois garder au réfrigérateur, tout simplement. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a toujours une chose qui m'a horripilé, c'est les opérations au gros volume. Donc, c'est un acheté le second moitié prix ou d'acheter un gratuit, etc., etc. Ça concerne que les familles. Mais moi qui suis célibataire qui vit seule, ça ne me concerne pas. Parce qu'en plus, ce qui est particulièrement choquant, c'est que lors de promotion, ces prix sont artificiellement revus à la baisse au niveau du prix au kilo. On va prendre. Bon. Quand il s'agit de pâtes ou de riz ou de boîtes de conserve, bon, ça c'est pas encore trop grave. Mais lorsqu'il s'agit de produits laitiers ou surgelés, eh bien là, bah, vous vous laissez entraîner par le prix au kilo. Et vous retrouvez avec votre réfrigérateur rempli de produits laitiers à ras-bord. Dont le risque de date de péremption à coup sûr va courir, et dont vous aurez surtout une grande lassitude à consommer, parce que surtout quand on est seul, se taper tous les jours un yaourt ayant le même goût, il y a un moment quand même ça lasse quoi. Et un petit coup. J'avais entendu parler d'une chose qui se fait en Angleterre, par exemple. Dans certains magasins anglais, je crois que ça se fait dans les grandes surfaces, mais j'ai pas entendu parler de ça pour les petits commerces. Par exemple, si vous avez une alerte sur votre smartphone ou internet ou simplement un prospectus papier qui vous dit, allez, opération de paquets de pâtes achetées, un gratuit. Bon, ça peut être aussi du surgelé des yaourts. Eh bien, voici comment ça fonctionne. Vous allez au magasin, vous achetez donc les deux produits. Et pour le troisième produit, vous avez un bon et vous allez le rechercher
Donc naturellement gratuitement parce que c'est la promesse commerciale qui est gratuite. Et vous allez y rechercher le produit quand vous en avez besoin. Et ça a rendu pas mal service à des gens de conditions modestes, par exemple en Angleterre. Et je trouve ça extrêmement intelligent. Certains aussi pays ont interdit à juste raison les prix, ce qu'on appelle les prix barrières psychologiques, c'est-à-dire genre 0,99€, 1,95€, alors qu'en fait vous payez l'article 0,99 et 1€, en fait vous payez 1€, donc pour l'autre produit c'est 2€, hein. Il faut pas se monter le bourrichon, c'est comme ça qu'on manipule les gens. Alors, moi, il y a aussi une chose qui m'insupporte dans les produits laitiers. Par exemple, à Auchan, pour certains produits laitiers discount, comme des entremets, des desserts, vous pouvez avoir certains produits à l'unité. Mais par contre, pour les marques classiques et la marque distributeur, non. Alors, bon, moi, franchement, ça me gave et ça me saoule de devoir acheter, on va dire, un pack de 4 yaourts nature, ou l'un citron, ou l'autre pêche. Moi, j'aimerais bien pouvoir acheter à l'unité pour varier les plaisirs et les goûts, parce qu'il arrive un moment où vous êtes lassé, et limite, vous n'avez plus du tout envie de manger ce que vous avez dans votre frigo, et puis ça vous conduit vers une espèce de forme d'anorexie, entre guillemets, par lassitude. Et après, ça fait du gâchis. Alors, l'autre forme de gâchis, c'est aussi concernant les fruits, surtout quand on vit seul, ou voire même quand on vit en couple. Je vois pas l'intérêt d'acheter, sous prétexte que c'est une promotion, on va dire, 4 kilos d'oranges pour 1 ou 2 euros, et puis, résultat des courses, ben, il y aura une partie des oranges qui vont se retrouver au rebut, parce qu'elles se seront détériorées. Donc, aussi, j'aimerais faire tomber quelques légendes urbaines concernant les produits écolos. Les écolos disent, oh, bah non, hein, faut acheter de la salade, la ramener chez soi et la consommer. Mais non, c'est véritablement à leur pourquoi. Parce que de toutes les façons, quand vous achetez une salade, or, si vous la consommez vous-même, si vous la mettez dans le frigo, de toute façon, déjà, il y aura une partie qui se sera détériorée dans le frigo. Et puis, vous avez toujours de toute façon, allez, on va dire sur une salade classique, on va prendre une laitue Batavia. Vous en jetez toujours à peu près un jusque deux bons tirs. Alors, franchement, autant prendre de la laitue en sachet, c'est bien mieux. Voilà. Moi, vous n'êtes pas de gâchis, vous avez votre carte de salade, vous avez tout qui est bien fait. Voilà. Alors, aussi, l'erreur écologique idiote, c'est oui, ah oui, il faut acheter en vrac. Ma bonne dame, mon bon monsieur. Est-ce que nous avons tous les mains propres lorsque nous prélevons, pardon, fruits et légumes? Ah ben non. Déjà, on retrouve des traces d'urine et de matière fécale dans les cacahuètes, dans les bistrots. Donc, je n'ose vous imaginer ce que nous avons au bout des doigts lorsque nous sélectionnons des produits et nous lavons pas les mains non plus avant de faire les courses. Alors, les produits écolos. Ça aussi, ça fait rire parce que. Allez, on va prendre un exemple. Vous achetez une salade en classique, donc vous la touchez avec votre main, vous la mettez dans un sachet plastique. Donc vous ne lavez pas les mains. Bon, vous voulez un produit particulier écolo, on va dire, on va prendre des fruits, genre style des pêches, des tomates ou alors un autre légume bio par exemple. Alors là, j'aimerais savoir où est le bio dans l'histoire, parce que vous sortez donc du rayon fruits et légumes classiques, vous avez un rayon bio, ben, ce produit est contaminé dans l'air, quoi. Parce que quelqu'un aura touché le produit en vrac et tout ça.
C'est pour ça que personnellement je préfère les produits en barquette. Le seul produit que je prends quand même en vrac, c'est les bananes qui est hélas sous sachet plastique. S'étiole extrêmement rapidement. Voilà. Donc l'astuce aussi concernant les fruits, je sais que si on met un citron parmi certains fruits, ça empêche de se dégrader. Et il paraît que si on met une pomme de terre parmi des légumes, ça empêcherait de... ça ferait mûrir plus vite, par exemple. Bon. Sinon, il faut toujours préférer en barquette, au moins... Niveau propreté, c'est au moins un minimum. Surtout faire ses courses ventre vide, enfin le ventre rempli. Et surtout, l'éternelle question de quand vous allez faire un achat. Moi, ce que je fais par exemple, lorsque je vois une promo sur un produit, ah, ça me tente, donc je regarde le prix au litre, au kilo, en normal et en promo. Je le regarde et puis après je m'en vais faire un tour d'un autre côté du magasin et parfois il m'arrive que l'envie de ce produit est complètement disparue. Donc surtout, il faut apprendre à se dire, lorsqu'on le prend un produit, est-ce que j'en ai besoin? Voilà, donc pour moi c'est l'un des moyens d'éviter le gaspillage. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo.